بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون على أن تكون في ترجمة إن شاء الله، إن سوف نتكلم على مصيبة تصيب كل الخلائق. كل نفس، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Je disais, mes chers frères, qu'aujourd'hui, on va parler sur un sujet, un phénomène qui nous arrive à nous tous. Chaque, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, chaque âme goûtera à la mort. Chaque âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la sourate Al-Rahman, « Kullu man alayha fanin » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc tout ce qu'il y a sur ce monde, il sera anéanti. Il ne reste que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'omniscient, l'omnipotent, la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les créatures, ils vont mourir. Toutes. Même les anges les plus proches, même l'ange de la mort, quand il va faire sa mission, quand il va prendre les âmes de toutes les créatures, même Jibril, même Mikaïl, même Israfil, il recevra l'ange de la mort et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui ordonner, il va lui dire, prends ton âme. Alors celui qui enlevait les âmes, Allah lui ordonne d'enlever son âme. Et pourtant, c'est un ange, c'est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de prendre son âme. Il va prendre son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala restera seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va crier, il va dire, « Liman il mulku al-yawm ?»« À qui appartient la royauté ?» فَيُجِيبُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يُوجَدُ خَلَائِقُ أي خلق لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى فيقول للواحد القهار إلي الله سبحانه وتعالى à lui appartient le royaume à lui appartient la royauté سبحانه وتعالى. Donc si nous savons ce qui nous attend, si nous savons ce qui nous arrive, donc nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir parce qu'on est, on est de passage sur cette vie. Et là, il y a un hadith marfou', mais on va l'utiliser pour tarhib, pour inciter et pour faire le rappel. L'ange de la mort est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Nuh alayhi salam. Il est venu le voir et lui a dit, يا نوح يا كبير الأنبياء يا طويل العمر أخبرني عن الدنيا. Il lui dit, الدنيا, je vais traduire, الدنيا كرجل بنى بيتا له بابان دخل من الأول وخرج من الآخر. Il a dit,
lui a posé la question, l'ange de la mort a essayé de donner un ordre, il lui a dit, que penses-tu de cette vie ici-bas? Il lui a dit, c'est comme un homme a construit une maison à deux portes. Il est entré par une et il est sorti par l'autre. Ça veut dire, vite fait, il passe. Et pourtant, c'est de Nanou, il a vécu 950 ans de da'wa. Et Allah. Da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala qama 950 sana wa huwa yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Il y a peu qu'ils ont cru et qu'ils ont suivi les commandements de ces deux nanouh. 83, certains savants ont dit 83 ans. 83 musulmans qui ont suivi Nuh alayhi salam. 950 ans de da'wah, 83. Comment la nature humaine, elle est dure. Hein, quand tu lui fais le rappel, quand il lui aura montré les signes, ils ont vu comment il était dans son caractère, comment il était dans son comportement. Et malgré tout, ils n'ont pas cru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a pris par le châtiment du déluge. Et ils étaient tous noyés. Même le fils, même la femme de Sayyidina Nuh était noyée. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie le châtiment, il l'envoie à tous les mécréants, à tous qui ne suivent pas le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes vivants, alhamdoulilah. Nous sommes vivants. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la vie. Et on est encore en vie, on est en train de parler, on est en train de discuter, on est en train de... نحن نؤمن ساعة بيننا نتكلم في ديننا ونذكر بعضنا البعض في هذه بأن هذه الدنيا عبارة عن مزرعة الآخرة. هذه الدنيا التي نحن نعيش فيها هي مزرعة للآخرة. Je disais mes frères que cette vie, nous vivons cette vie si bas, cette vie qui ne vaut pas une aile de moustique, ce n'est qu'un jardin. C'est une terre à labourer pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate du trône, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا التي خلقنا فيها ونحن نتمنى فيها ما نتمنى ونريد ما نريد ونريد أن نكون أغنياء ونريد أن نعمر فيها ما نعمر. الله سبحانه وتعالى لا خلق لهذا، خلقها ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الصالح من الطالح، ليميز المسلم من غير المسلم. هذه الدنيا عبارة عن قنطرة للآخرة، عبارة عن قنطرة. Je disais mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate de la royauté, gloire à celui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver qui est parmi vous le meilleur en action. Donc cette vie d'ici-bas ne vaut pas une aile de moustique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie d'ici-bas? Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc c'est une demeure pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ قَبْلِ أَيَّتِ يَوْمٌ نَعْبُدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. يقول الله سبحانه وتعالى وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc le jour de la résurrection, il faut y penser. Nous sommes, depuis qu'on est né, on avance, on marche vers l'akhirah. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, qu'on est sorti des ventres de nos mères, nous avançons vers l'akhirah. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'on va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné nos âges. Donc, comment, vous savez très bien, chaque jour, on entend quelqu'un que l'heure a sonné. La mort est venue, sans prévenir. لا تأتي الموت إلا بغتة.
Personne ne peut prédire qu'il va mourir. Tu ne sauras que tu vas mourir que quand tu verras l'ange de la mort et les anges qui s'occupent d'enlever l'âme pour ôter ton âme. Là, tu vas voir la vérité. Ya'tika wa'abud rabbaka wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que tu vois la mort. Et nous avons très bien, Allah il nous a rappelé, le professeur Hassan il nous a rappelé dans plein de hadiths. Il y a deux catégories de gens. Le jour de la résurrection, il y a deux catégories. Il n'y en a pas trois. Il y en a ceux qui vont rentrer au paradis et ceux qui vont rentrer à l'enfer. Donc c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. Et si on veut être parmi les gens du paradis, ben on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et si on veut être parmi ceux qui vont au châtiment, eh bien on sait ce qu'on doit faire. Et là, j'ai un hadith d'Ibn Asakir, un hadith de Abi Ali, Ali Shaddad ibn Awsa, radiallahu anhu. Il dit dans ce hadith, Al-Kayyisu, man dana nafsahu wa amila لما بعد الموت الكيس ça veut dire quoi le كيس là Ali ibn Shaddad raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le raisonnable, le sensé, celui qui juge son âme, son nefs, il rend des comptes maintenant pendant qu'il est en vie. Il sait ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nefs, il faut la juger. De savoir si c'est une bonne nefs, si c'est une nefs qui ordonne le bien, si c'est une nefs qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est une nefs qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande ou pas. Donc c'est à toi de la juger, c'est à toi de l'humilier dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tuhasibu tilka nefs wa tudilluha lillahi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'mal li ba'da al-mawt. L'an ba'da al-mawt laysa amal. بعد الموت والله الذي لا إله إلا هو نحن الذي يموتون يعلمون ولا يستطيعون أن يعملوا. Ceux qui meurent ne peuvent, ils savent la vérité mais ils ne peuvent pas faire, même pas subhanallah, même alhamdulillah, il sera pas compté. وبينما برزخ إلى يوم يبعثون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va mettre un voile contre quelqu'un, même si on vient dans sa tombe, il nous écoute, il nous entend, mais il ne peut pas nous répondre. Allah subhanahu, c'est sunnatullah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour ce bas monde, pour nous tester, pour nous filtrer, pour savoir qui de nous qui est bon et qui n'est pas bon, tout simplement. Mais celui qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit à son nefs, il y a un jour qui nous attend. Il y a la mort qui nous attend, nous serons jugés. Allah subhanahu wa man amina mitqala darratin khayrin, un atome de bien. Si tu fais un atome de bien, tu vas le trouver. Et si tu fais un atome de mal, tu vas le trouver. Est-ce que tu dis à cette nefs de vrai, dans le bon sens, dans l'adoration, dans les bonnes actions, ou tu veux suivre ta guise, suivre ta passion, suivre les autres et être parmi les perdants, c'est à toi de voir. Chacun il est responsable de son nefs. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجيح هذه النفس اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى أمانة لك الذي وضع في ذلك الجسد. إذا كنت مؤمنا محتسبا خائفا من الله عشت حياتك تؤمن بالله وتخاف الله سبحانه وتعالى. Donc tu vas rendre le bien à son propriétaire qui est Allah سبحانه وتعالى. النفس il appartient à Allah سبحانه وتعالى. C'est lui qui l'a créé. Le corps, il va être dissous, il va être
détruit avec la terre, et il y aura les asticots qui vont le manger, les vers qui vont le manger, il sera poussière. Mais le nefs, il va rester dans le barzakh. Soit il reste dans le paradis, dans le bien, dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte de Jannah, où ils sont les odeurs de Jannah, où ils ont les odeurs des fruits de Jannah, ils entendent ils sont l'air de Jannah, où il va une porte qui va s'ouvrir du châtiment de l'enfer, et il va sentir la chaleur de l'enfer, il va entendre des voix de ceux qui sont en train d'être châtiés. Donc le sensé, le responsable, le raisonnable, il doit réfléchir à ça. Il doit réfléchir qu'il va mourir un jour, et que chaque âme goûtera à la mort, et que chaque nefs, il est responsable de ses actions. Chaque nefs est responsable de ses actions devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il sera devant chaque individu de cette communauté ou de toutes les communautés, il sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler avec lui sans traducteur. Qu'il soit du nord de la terre, ou du sud de la terre, ou de l'est de la terre, ou de l'ouest de la terre, il sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, son traducteur. Il va parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il va lui poser des questions. عمرك فيما أفنيته وشبابك فيما أفنيته ومالك فيما أنفقته من أين اكتسبته وعلمك ما دفعت به. Chaque chose que tu fais, tu n'es pas venu sur ce bas monde par hasard. Ce n'est pas la nature qui nous a créés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. La takhluqana al-tabi'a, ou la takhluqana al-zahar, comme ils disent, on est venu comme ça par accident. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana lil'ibada. الله سبحانه وتعالى خلق لنعبده ونتقرب إليه بالحسنات ونتقرب إليه بالصلوات وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يسأل عنه العبد الصلاة فإن صلح عمله كله وإن فسد العمل كله. لماذا؟ لأن الصلاة أصلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يصلي كيف يقوم بالحرام وهو يقرأ الله كلام الله ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تصلي وتتجه إلى الله وتأكل الحرام؟ أنت تصلي وتتجه إلى الله وتسرق؟ أنت تتجه إلى الله إلى القبلة الله سبحانه وتتجه إلى الله وتكلم الله سبحانه وتعالى وتبيع بيع الحرام وتأكل الربا وتأكل مال اليتيم وتتكلم في هذا وتهتك عرض هذا؟ فأنت محاسب يوم القيامة على كل شيء تقوم به. الله سبحانه وتعالى محاسبنا جميعا. فإذا كنت من المؤمنين، إذا كنت من الصادقين، إذا كنت من المقربين، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فروح وريحان وجنة نعيم. المقرب إلى الله الذي هما خاصة الناس الذين يقومون الليل ويصومون النهار ويخافون يوما تشخص فيه القلوب والأبصار، أنت من خاصة الخاصة، ستكون من المقربين من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. Ceux qui jeûnent le jour, ceux qui veillent la nuit, ceux qui invoquent toute la journée Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font la salat comme il se doit, ceux qui ne touchent pas l'illicite, ceux qui sont droits dans leur vie, dans leur commerce, dans leurs transactions, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les prendre dans sa miséricorde. Et la miséricorde d'Allah, c'est quoi? C'est le paradis. Il n'y a pas meilleure miséricorde dans l'au-delà de Jannah. أكبر رحمة عند الله سبحانه وتعالى أن يدخل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
اللهم اجعلنا من الأهل الجنة. واعلموا واعلموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلك عملك الجنة. قال ولو أنت يا رسول الله، قال ولو أنا يا كذا، لولا أن يتغمدني الله برحمته. Donc on fait les actions, on œuvre, ne توكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن نرجو القبول من الله سبحانه وتعالى. نرجو القبول من الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا يا رب، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخوالنا وأعمامنا وخالاتنا وكل ذي رحم من المسلمين وكل مسلم ومسلمة. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أولادنا وبناتنا، اللهم زين بناتنا بالحجاب وأولادنا بالإسلام وبالحشمة وبالحياء. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.